Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce vendredi 23 avril 2021, 5h27, heure du Québec, avec une nouvelle qui surprend, et qui surprend pas, mais qui surprend. Et ça nous vient de Motherboard, et je l'avais vu sur plusieurs sites aussi, j'ai pris ce lien-là parce que j'aime bien aussi ce site-là, et on nous apprend, imaginez-vous, que le miel américain est radioactif après des décennies d'essais sur les bombes nucléaires. Une nouvelle étude a révélé que les abeilles récoltaient des niveaux élevés de pollen irradié depuis des décennies. Les puissances nucléaires mondiales ont fait exploser, et oui, plus de 500 armes nucléaires dans l'atmosphère. Ces explosions étaient des tests, des démonstrations de force, pour des nations rivales et la preuve que des pays comme la Russie, la France et les États-Unis maîtrisaient la science de la bombe. Le miel du monde en a souffert selon une nouvelle étude publiée dans Nature Communications. Le miel aux États-Unis regorge de retombées de ses essais nucléaires atmosphériques. C'est rien de moins que ça. Pour l'étude, les chercheurs ont collecté des échantillons de miel de plus de 100 ruches et des échantillons de sol de 110 sites à travers l'Est des États-Unis. Les scientifiques ont découvert, et oui, des niveaux élevés de césium dans les échantillons de sol et de miel, alors que la plupart des radiations produites par la détonation d'une arme nucléaire se désintègrent dans les premiers jours. L'un des produits de fission les plus durables et les plus abondants est le césium, qui a une demi-vie radioactive de 30,2 ans, indique l'étude. Des recherches antérieures, après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, ont identifié des niveaux élevés de césium dans le miel et le pollen européen. La bonne nouvelle est que, selon les chercheurs, la plupart de ce miel est probablement sans danger pour les humains. Alors que les concentrations de césium que nous signalons dans le miel aujourd'hui sont inférieures au seuil alimentaire préoccupant observé par de nombreux pays, et ne sont pas manifestement dangereuses pour la consommation humaine, le rayonnement résiduel répandu est surprenant étant donné que près de la moitié des vies se sont écoulées depuis la plus grande partie de la production de bombes atomiques et de césium, ont-ils dit. Les États-Unis ont effectué la majorité de leurs essais nucléaires atmosphériques dans les îles Marshall et dans le sud-ouest américain. Les retombées se sont propagées dans l'atmosphère et se sont installées à travers la planète. L'Est de l'Amérique du Nord a reçu des retombées disproportionnellement élevées des essais nucléaires, d'armes nucléaires des années 50 aux années 60, bien qu'ils soient relativement éloignés des sites, imaginez-vous, de détonation en raison des vents d'ouest prédominants et des fortes précipitations, indique l'étude. La majeure partie s'est dissipée rapidement, mais le césium est resté collé et trempé dans le sol où sa structure chimique, qui est similaire au potassium, le rendait attrayant pour les plantes. Le potassium et le césium sont chimiquement similaires et l'étude a émis l'hypothèse que c'est la raison pour laquelle les plantes ont absorbé une grande partie du césium, ce qui a conduit les abeilles à transformer ce césium en miel. Il a également trouvé une relation inverse entre la quantité de potassium naturellement présentée dans le sol et la quantité de retombées trouvées dans le miel. Les États-Unis du Sud, les États du Sud, pardon, contenaient trois fois plus de retombées que les États du Nord. Le sol du Sud ne contient pas beaucoup de potassium, tandis que le sol du Nord est riche en matière. Bien que ce miel soit probablement sans danger pour la consommation, j'aime bien le « probablement sans danger », c'est peut-être pas la même chose pour les abeilles qu'ils produisent. Ah, tiens. Au cours des 5 dernières années, il est devenu clair que les insectes subissent des conséquences négatives importantes à des débits de doses de rayonnement qui étaient auparavant considérés comme sûrs. Mais le seuil auquel les dommages se produisent est débattu, indique l'étude. Certaines études indiquent que de faibles niveaux de pollution au césium peuvent être mortels pour les insectes pollinisateurs et que toute augmentation au-dessus du niveau de fond cause des dommages mesurables aux écosystèmes environnants. Une grande partie du monde a arrêté de faire exploser des bombes nucléaires dans l'atmosphère en 1963, lorsque les puissances nucléaires mondiales ont signé le fameux traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Près de 60 ans plus tard, nous vivons toujours avec les conséquences de ces explosions nucléaires. Donc,
Peut-être qu'on est en train de percer le fameux mystère, hein, de la décimation de nos colonies d'abeilles, ou pas, je ne sais pas. Peut-être aussi d'autres choses au niveau de la santé des êtres humains. En tout cas, c'est à déterminer, mais c'est déjà un bon pas dans la direction que cette étude nous révèle ce qu'elle nous révèle.